Dans quelques jours, on va célébrer une fête religieuse connue par l'égorgement des moutons. Suivant notre prophète, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va traiter un texte où on va explorer comment va passer ce jour très sacré. كيف يمر هذا اليوم العظيم sacré c'est un adjectif masculin mais quand on ajoute un e il devient un adjectif féminin par exemple le vendredi est un jour sacré pour nous عيد الأضحى est une grande fête religieuse. Religieux, yedini. Religieux pour le masculin, religieuse pour le féminin. Une fête, c'est un nom féminin. Alors, l'adjectif grande et religieuse doivent être aussi au féminin. Elle est appelée aussi Eid al-Kbir. Elle, كتعود على la fête, parce que c'est un nom féminin. On a mis elle pour éviter la répétition. Et on peut dire aussi elle est appelée aussi Eid al-Kbir, ou bien on peut dire la fête est appelée aussi Eid al-Kbir. Alors, on a mis elle pour éviter la répétition. On ne peut pas dire la fête, la fête, la fête. Alors, on a mis elle pour remplacer la fête. Elle katraoud la fête. C'est le verbe appeler. Et c'est l'auxiliaire être. L'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. C'est la fête du sacrifice du mouton. Sacrifice, il y a at-tadhiya. Par exemple, il faut faire beaucoup de sacrifices pour protéger et ne pas détruire notre relation familiale. يجب القيام بالكثير من التضحيات لحماية أو لحماية ولكي لا نخرب علاقاتنا العائلية. On achète un mouton que l'on sacrifie le matin de la fête, après la prière de l'Eid. C'est le verbe acheter. Le nom, c'est l'achat. C'est un nom masculin. Un mouton, kharouf, que l'on sacrifie. Le kandahiou bi, sabah, al-hafla. Ba'da, salat, al-id. La prière, yis salat. On a 5 prières par jour. Adayna 5 salawat fil yom. Une partie de ce mouton est donnée aux nécessiteux. Une partie, ça veut dire juz. Min had kharouf est donnée. Nu'tih, bien. Oui, nu'tih, aux nécessiteux. Nécessiteux ou mal muhtajin. On peut dire aussi les pauvres, al-fuqara, ou bien les miséreux, al-bu'asa. Ils ont le même sens. En plus de ces données de texte que je vous expliquais, je vais vous offrir quelques événements supplémentaires sous forme des exemples qui résument comment les musulmans passent leur journée. On égorge les moutons, nadbah al-khirfan. Tout commence par l'égorgement des moutons qui bêlent.
L'égorgement ou dabh. Le verbe c'est égorger, dabaha. Qui belle? Le bêlement c'est le cri de mouton, athura. Le verbe c'est tara. Nous devons être sur le terrain pour voir comment on va passer cette journée et aussi pour prendre des photos et pour témoigner de la manière de l'égorgement. Les enfants n'osent pas toucher les têtes de moutons pleines de sang. لا يجرؤون على لمس الرؤوس المليئة بالدم. Le sang والدم.